la première voiture qui est sortie premier et vainqueur du 18e Safari de Zaïre, c'est la voiture numéro 31 avec l'équipage Gimbi. Gimbi. Et là maintenant, vous avez un équipage authentiquement zaïrois, composé de Frère Ngimbi, ces deux citoyens étudient en Belgique. Ils ont tenu à participer à ce safari du Zaïre. Voilà le seul équipage authentiquement zaïrois, composé de Ngimbi, dans une Range Rover 4x4. Ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils sont très optimistes. Ils sont venus pour courir, pour défendre l'honneur de la République. Ils espèrent arriver dimanche soir à l'Okapi. Voilà le frère Ngimbi qui quitte maintenant l'enceinte du palais du peuple. Place de Matadi a connu une grande ambiance et voici le frère Ngimbi. À ce safari du Zaïre, quelles sont vos premières impressions? Un peu surpris du résultat actuel, puisqu'on est premier au classement général avec une minute d'avance, malgré une pénalité de 40 minutes. Sans cela, on serait premier avec presque 40 minutes d'avance sur le second, ce qui est déjà une performance assez inattendue de notre part. Bien, vous connaissez déjà pratiquement tout le circuit, parce que maintenant, en remontant, c'est sur des chantiers que vous connaissez déjà. Vos impressions sur ce circuit? L'étape de Kilungongo sera un peu dure, tandis que celle de Bazangungu sera un peu plus rapide. Et on espère là conserver notre petite avance et peut-être essayer de creuser un petit peu. Quelles ont été les grandes difficultés rencontrées par les participants dans ce safari? Personnellement, la première difficulté a eu un malentendu avec les organisateurs, dû à un manque de précision et de concordance de notes entre les roadbooks et les carnets de passage en douane. Pour moi aussi, c'est la même chose. On a eu beaucoup un peu de difficultés avec les organisateurs. Ce qui est aussi, c'est que, étant néophyte, on n'est pas tellement habitué au système. Sinon, ça va. Vos ambitions, arriver sur le podium, premier à Kinshasa? Ce serait bien. On espère. Promet pas, mais on va essayer. Merci. Merci. Bien, les fans Ngimbi ont essayé, ils partiront en tête du peloton au départ de Matadi. Ils sont déjà premiers de ce safari automobile du Zaïre. Ils ont essayé pour un premier coup, ce qui vient un coup de maître.
Nous allons procéder maintenant au résultat du 18e Safari, édition bien sûr 84. Vous n'allez pas attendre un miracle. Le président de la fédération vous en a parlé. La première voiture qui est sortie premier vainqueur du 18e Safari de Zaïre, c'est la voiture numéro 31 avec l'équipage Gimbi. Daddy! 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 Dadd